Pierre s'occupe au quotidien de sa femme Jeanne, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Avant, il se sentait fort. Il lui semblait qu'il pouvait déplacer des montagnes. Maintenant, il est épuisé, isolé, complètement perdu par la maladie de sa femme. Trop fréquemment isolés, insuffisamment reconnus, les aidants sont souvent fragilisés. Comme Pierre, Jeanne, Odile, Bernard ou tant d'autres, nous sommes déjà aidants ou en passe de l'être. Nous serons tous concernés un jour par cette situation. En France, 11 millions d'aidants familiaux accompagnent chaque jour un proche en perte d'autonomie. Si les dispositifs de soutien aux aidants familiaux existent, ils interviennent à l'extérieur du domicile. Passerelle Assiste Aidant propose un dispositif unique et innovant. Aller au domicile des aidants familiaux, leur apporter un soutien adapté à leurs besoins et leur offrir un plan d'aide personnalisé. Et cela, quelle que soit la dépendance de la personne que l'aidant accompagne. Après la première visite à domicile d'une psychologue, toute une équipe aux compétences complémentaires, avec médecin gériatre, sophrologue, socio-esthéticienne, kinésithérapeute, coach en nutrition, médiateur familial, ergothérapeute, s'implique selon l'évaluation des besoins. Il veille sur le bien-être de l'aidant pour une répercussion directe sur la santé de l'aidé. Passerelle Assiste Aidant a aussi comme objectif d'informer et d'accompagner vers des services existants d'aide aux aidants. Un travail en partenariat peut ainsi être mis en place. Pour les aidants, les bénéfices sont nombreux. Pierre a reçu un soutien psychologique, Odile a retrouvé son estime de soi. Maintenant, Sandrine respire mieux, elle a appris à se détendre. Patrick ne se fait plus mal au dos, les bonnes postures n'ont plus de secret pour lui. Étienne a compris la maladie de sa mère, leur relation s'est apaisée. Jeanne a reçu des conseils juridiques. Sophia est heureuse de voir son père plus serein en accueil de jour, elle a été aidée dans sa décision. Les aidants familiaux, c'est eux, c'est nous, c'est vous. Nous avons tous le droit au répit, au bonheur à deux ou en famille avec la personne que l'on aide, que l'on aime.